Bonsoir, bonsoir mes chers amis, ravi de vous retrouver comme tous les soirs, même là si on a, on a déjà basculé dans, euh, dans le lundi, hein. mais euh, c'est le live de dimanche mes chers amis, euh, dimanche 10, on est, il est minuit 3, on est déjà lundi, ça va à une vitesse incroyable. Voilà mes chers amis, il y a tellement de choses à dire, hein, je, je me répète encore et encore, et nous sommes tous fatigués, nous sommes tous, nous n'avons pas beaucoup de temps de cerveau disponible euh, avec euh, notre vie, avec notre recherche de survie. Euh, vous savez tous et toutes de quoi je parle. Euh, bon bah là, je vais essayer de vous passer un maximum. D'infos et, euh, et de choses. Si on y arrive, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein. ce ne sera que partie remise, mes chers amis. Alors là, euh, comme je vous ai mis à l'écran à l'instant, euh, il y a donc euh, Ingrid Levasseur que vous connaissez à force, celle qui a monté donc euh, une liste, euh, liste aux européennes liste qui a connu donc plusieurs désistements et quoi dire d'autre euh, donc bon bah euh, alors pour moi c'est clair et net hein, elle n'est pas uniquement ce qu'elle se dit donc aide-soignante elle n'est pas uniquement aide-soignante hein, elle est aussi bien rodée euh, au aux interventions un peu comme jacqueline gouraud donc pour moi il y a forcément passage il y a forcément appartenance à euh, la franc-maçonnerie à une loge hein euh, dans son discours alors je vais vous mettre le live qu'elle a fait tout à l'heure elle a fait un live c'est la première fois elle dit qu'elle fait un live c'est surprenant hein on se demande sur quelle base sur quelle base elle a été désignée par les merdias comme euh, étant représentante du, des Gilets jaunes, c'est étonnant. Après l'avocat Boulot euh, qui se dit qui se dit euh, présence sur les Merdia parce que deux ronds-points, deux rangs points, c'est quand même énorme. Hein, c'est à mourir de rire. Hein. Moi j'ai pas envie de rire ce soir, mais c'est à mourir de rire. Deux rangs-points l'ont élu euh, pour les représenter. Hein. Vous savez euh, vous imaginez le nombre de ronds-points en France hein. si les ronds-points euh, étaient représentatifs et euh, eh bien de quoi que ce soit euh, je veux dire je n'aurais aucun de ma aucun mal à aller euh, à aller euh, me faire représenter enfin me faire élire me faire soutenir me faire soutenir par au moins euh, 20 ronds points je veux dire il suffit de mettre euh, 20 personnes des personnes qui me soutiennent. Bon là vous êtes euh, 12, vous êtes 13, mais parce qu'il est minuit passé et il suffit juste que je demande à mes contacts euh, de d'aller de, chacun sur un rond-point dire que ce rond-point euh, vote pour moi avec un ami, avec, euh, avec quelqu'un de sa famille. Eh bien je, je pourrais avoir mais extrêmement facilement une vingtaine de ronds-points, mais c'est ridicule. Ça n'a jamais été une façon d'accéder aux merdias que de dire euh, d'être soutenu par plusieurs ronds-points, ou quelques ronds-points, ou deux, ou quatre. C'est absolument ridicule. Hein. Ils ne savent plus quoi faire pour placer euh, des personnes qu'ils qu ont choisies dans les merdias plutôt que d'autres, comme votre serviteur, comme d'autres. Euh, alors... Euh, Eric Drouet, il a fait partie, euh, partie d'une un, association, d'un club d'amateurs d'automobiles. Bon, voilà, il, a fait des, il fait des lives depuis son camion. Imaginons, Flyrider, il fait des lives, pareil, où il donne des infos, des infos plus ou moins sûres. Imaginez que ça passe. Hein. Regardez votre serviteur, je donne des infos depuis euh, Belle Lurette, je me suis même présenté aux législatives, mais ce n'est pas assez apparemment. Euh, et là, donc, on, on, on nous dit, enfin, on apprend de sa propre bouche, hein. Ingrid Levasseur n'a jamais fait aucun live de sa vie, c'est son premier live de ce soir. Enfin, c'est sur quelle base qu'elle a été sélectionnée hein. C'est quoi C'est son l'hôpital là où elle travaille qui ont dit que est-ce que c'est représentatif? Jacqueline Gouraud, Mouraud, hypnothérapeute d'après les merdias, mais ectoplasmeuse d'après ses propres dires, c'est une apparemment c'est c'est une comment dire c'est un métier, c'est une activité, c'est une activité où elle communique avec les avec les morts, hein, avec les démons aller savoir ce qui se passe dans cette dans sa tête à cette femme. Et c'est euh, ce qui euh, c'est un signe, c'est une marque de fabrique des francs-maçons, hein, d'être toujours dans les. dans le mystère comme ça, l'au-delà, etc. Et donc elle, elle a été promue, désignée par les merdias à cause d'une vidéo, une banale vidéo, où, je veux dire tous les jours, il y a des vidéos hallucinantes. Un nombre gigantesque de personnes comme votre serviteur, mais pas que, de personnes qui enregistrent comme ça en disant Macron y en a marre, je sais pas, à l'époque c'était Hollande, écoute, je vais te dire deux mots, mais ça a toujours existé. Hein. Pourquoi là, à ce moment-là, elle a, voilà une vidéo qui fait 5 millions de vues, vous imaginez, 5 millions de vues. Euh, voilà, alors pour continuer la liste, mais la liste est longue hein, de ceux qui soi-disant euh, représentent le mouvement euh, Gilets jaunes. Alors pardonnez-moi, je vais juste partager euh, dans, dans mes groupes donc le live. C'est une chose que je fais. Donc là, je prends juste deux secondes et, et je reprends. Merci mes amis de votre patience. Je fais deux trois partages donc pour avertir que je suis en live. Voilà. Et donc le encore un gilet jaune, une gilet jaune, c'est Laetitia Ludowski. Alors c'est pareil. Il y a des miracles qui se sont passés avec Laetitia Ludowski, comme avec Jacqueline Gouraud, c'est-à-dire qu'elle a fait une pétition. On va dire, Enfin, franchement, il y a des centaines de milliers de pétitions qui sont plus pertinentes. Hein. Une pétition pour se plaindre des, des taxes sur le carburant. Et euh, BFM TV lui a consacré un, un documentaire. où Ils l'ont suivi à hein, une pompe à essence. Et euh, je, je, je l'ai diffusé plusieurs fois. Et euh, pour dire, oh c'est pas possible, regardez cet automobiliste a découvert a découvert euh, pas, pas, pas du pétrole, pas de l'or, hein, mais que euh, les taxes sur l'essence le, sont exorbitantes en France. Je veux dire, tout le monde le savait, hein. qui, euh, qui ne savait pas que l'essence payée en France était plus chère qu'ailleurs et que était euh, à plus de 60% composée composé de taxes, et que, que les politiques se servent là-dedans, comme ils se servent euh, dans les excédents des mutuelles, les excédents euh, de la sécurité sociale, etc. C'est su et connu, mais pourquoi elle a été désignée, choisie Donc voilà, il y a plusieurs signes. Je rappelle que Laetitia Ludowski a fait quand même 11 ans chez BNP Pariga, Paribas, hein, 11 ans. Euh, pour se reconvertir là dans les si je me souviens bien dans les cosmétiques bio Jacqueline Gouraud fait tout en, en plus d'avoir créé un parti qui est, visiblement n'est pas sûr de présenter une liste aux européennes on se demande à quoi ça sert et euh, donc se reconvertir en plus de faire de la, de, la, de la médiumnité de la magie de l'ectoplasmie euh, dans... Les produits bio. Hein, nous avons toujours les mêmes thèmes de la franc-maçonnerie, hein, soi-disant la lutte contre le réchauffement. Hein, c'est pour te faux. Hein, c'est comme les soi-disant la lutte pour l'égalité et fraternité. Et ils font le contraire. Hein. Il faut comprendre toujours que c'est une duplicité, c'est un double langage. Et donc là, c'est un des thèmes de la franc-maçonnerie. C'est la lutte contre soi-disant, c'est la soi-disant lutte contre le réchauffement climatique, la soi-disant, la soi-disant promotion des produits bio. Aujourd'hui, il n'y a, a, a plus rien qui peut être bio. Tout est contaminé. Hein. Euh, il y a aussi les thèmes récurrents à hein, la soi-disant protection des femmes, la soi-disant lutte pour l'égalité euh, salariale, la soi-disant défense des, des homosexuels, la soi-disant défense de la diversité des personnes d'origine étrangère, la soi-disant lutte contre le racisme, la soi euh, le soi-disant combat contre l'antisémitisme, etc., etc. Et vous, vous avez certainement reconnu un des thèmes, parce que ça passe toujours euh, dans les médias, ça revient toujours dans, dans la bouche de ceux qui ont la chance d'être médiatisés, les pseudo-experts, les pseudo-... Les Bernard Tapin, etc. Euh, là, ça revient avec force, la soi-disant défense des femmes qui, euh, qui sont seules, qui s'en sortent pas, la pension qui n'est pas versée, etc. Ben, je veux dire, la première des questions à se poser, c'est pourquoi, pourquoi il y a autant de femmes seules. Et par extension, <coughs> pardonnez-moi, et par extension, d'hommes seuls. Hein, parce qu'il y s'il y a autant de femmes seules, euh, je veux dire, soit il y a un nombre supérieur de femmes euh, par rapport aux hommes. et alors là, euh, les solutions euh, peuvent être allées. Euh, on peut aller chercher des solutions au niveau, je ne sais pas moi, de la démographie de la natalité. Hein ou soit, on admet que s'il y a autant de femmes seules, c'est qu'il y a au moins autant euh, que d'hommes seuls. et le problème, il est là, pourquoi? pourquoi il y a autant de femmes seules et d'hommes seuls? Bah tout simplement parce qu'il y a un complot contre la famille hein. c'est les médias je veux dire ne le disent pas ça la franc-maçonnerie le système fabrique les familles déchirées explose noyote explose la famille mente les enfants contre les parents mente les femmes contre les hommes etc., etc Et puis ensuite nous dire oh là là qu'est-ce que c'est malheureux il y a des femmes seules donc vous voyez c'est toujours cette duplicité alors euh, je vais vous remettre donc le live de Ingrid Levasseur qu'elle a fait tout à l'heure, qu'elle dit c'est la première fois qu'elle le fait, elle demande même une clémence, hein. elle dit soyez clément, euh, regardez, je vous lis le, le texte de son. Ben on va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Et je vous invite, je vous invite à regarder les commentaires. Hein. Les commentaires, c'est à, à mourir de rire. Hein. C'est à mourir de rire. Vous, vous noterez aussi, vous noterez aussi le, le petit coup euh, franc-maçonnerie. Euh, je suis euh, une femme et je suis euh, une femme seule. Donc euh, qui mieux que moi? pour euh, représenter les femmes, les femmes seules, etc. C'est abominable, c'est insupportable, etc. Ça me fait penser, ça me fait penser parce que c'est aussi un des thèmes, la soi-disant défense des retraités, la soi-disant défense des personnes handicapées. Ça me fait penser euh, aux personnes blessées, et particulièrement, vous savez de qui je parle. Ce pauvre Jérôme euh, Rodrigue qui a été éborgné et qui bon, bah, s'est emparé du thème des personnes handicapées. C'est bien, hein, c'est pas. Mais je vais dire, les, les mecs, les femmes, les gars, les filles, tous tout ceux que vous voulez, mais euh, élargissez-vous, regardez ailleurs, ces thèmes-là sont traités. Par les médias, en nous savant que ça n'aboutit pas, que effectivement la situation des personnes handicapées ne s'améliore pas, la situation de tous ceux qui sont soi-disant défendus, y compris les femmes, ne s'améliore pas. Mais je vais dire, regardez, élargissez. Votre savoir, regardez les guerres, hein. là ça tue, ça tue des gens, ça crée un bazar dans toute la planète, ça nous coûte cher à nous, non seulement en victimes, en représailles, en argent, en immigration qui arrive parce que c'est des gens qu'on va appauvrir dans leur propre pays, qui n'ont plus d'autre choix que de venir chercher à survivre. Et c'est intentionnel donc par la franc-maçonnerie pour en faire des sous-esclaves. Nous-mêmes, nous sommes esclaves dans notre pays. Et ils ont besoin en permanence de ramener des sous-esclaves. Donc, ouvrez votre esprit, arrêtez de vous emparer de sujets qui sont déjà euh, très euh, très représentés, hein, extrêmement représentés dans la euh, dans les merdias. Alors, je vois que ma connexion est attaqué. Normalement, ça devrait le faire. Je vais, je vais faire des vérifications. Je vais faire des vérifications, mes chers amis. Voilà, ça devrait le faire malgré tout. Hein. Je répète, si vous m'avez pas entendu. J'ai constaté que ma connexion était comme d'habitude comme je ne suis pas le seul, que ma connexion était attaquée et donc je a priori a priori je tiens. A priori je tiens bon très bien. Et, et donc euh, bon alors euh, je ne vais pas euh, m'étaler plus, je pense que vous avez compris euh, mes propos. Euh, on va la regarder. Vous noterez donc. Euh, le, le, voilà ce que je voulais dire, les mecs, les, les, les filles. Et, et, lâchez les sujets qui sont déjà monopolisés dans les merdias qui sont déjà traités dans les merdias. Euh, le RIC, les médias, c'est pas un complot, le RIC. Les médias, du matin au soir, ils essaient de vous le faire gober, le RIC. Enfin, Passer à autre chose. Hein. Regardez du, du côté de l'école, hein, l'école idéologique, hein, le, le consentement sexuel pour nos enfants qui a été encore, encore abaissé. Euh, euh, Regardez du côté de la santé, des vaccins. Regardez du côté du ciel, là, les chemtrails à ah, poser des questions. Tous ceux qui ont la chance de, de passer dans les médias, enfin, arrêtez de vous moquer du monde, euh, à répéter. en gros ce, que, ce qui passe déjà dans les médias. Vous, servez, vous, vous faites juste un relais. Donc là, les Gilets jaunes médiatisés que j'ai cités, que je vous ai dit, euh, la, la, je vous ai donné les, 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 les raisons euh, incroyables, hein, des raisons euh, vraiment euh, du type du type de la science-fiction qui les ont amenés à être euh, médiatisés. Euh, alors dedans, vous avez des personnes qui manipulent intentionnellement, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui savent très bien euh, ce qu'elles font, la duplicité, le double langage, la tromperie. Euh, et bon, ben, vous avez des personnes qui sont sélectionnées exprès par le système, qui sont c'est des idiots utiles, hein. il faut de tout, hein. il faut des idiots utiles et puis des personnes qui savent très bien ce qu'elles font. Donc les, les idiots utiles, euh, bon bah c'est des gens qui sont pas éveillés, c'est des gens qui sont le plus souvent euh, des cas euh, qui n'ont pas de niveau, on va dire, euh, d'instruction, hein, qui ne sont pas partis très très loin dans les études, même pas du tout, euh, qui n'ont pas de bagages. Euh, intellectuels, ce n'est pas des gens qui, en, qui sont intéressés dans leur vie par euh, chercher de l'information, que ce soit sur Internet ou ailleurs, de travailler un raisonnement, de se poser des questions existentielles, etc. etc. Et bien voilà, c'est mal, malgré nous ces personnes qui sont choisies, promues par le système pour nous représenter malgré nous. C'est exactement ce qui se passe pour ceux qui malgré les musulmans les représentent. C'est ce qui se passe pour ceux qui malgré les juifs les représentent. C'est la même chose pour les catholiques, les chrétiens, même les athées, hein, qui seront représentés malgré eux par des personnes dans lesquelles... Euh, elles ne se reconnaissent pas. Donc voilà, c'est le système qui est pervers qui est ainsi. Et c'est la franc-maçonnerie, c'est sa méthode. Alors, on va regarder donc son intervention, et voilà, je vous invite à regarder, c'est à, à mourir de rire les commentaires et à écouter son discours. Allez, c'est parti Donc euh, oui, ça se voit que c'est la première fois, Musta. Euh, voilà, c'est pas... pas terrible euh, comme fonctionnement pour l'instant, mais on va s'y habituer, vous inquiétez pas. Oui, ça refonctionne, Tony. Euh, Fabrice, salut. Salut tout le monde. Alors, re. <laughs> Bonsoir, oui, il faut des explications. Vous vous doutez bien que quand on passe sur les médias ou à la télé, on ne peut pas forcément dire tout, son, tout ce dont nous avons envie. On n'a pas forcément le même timing. Merci Julien. Euh, non, j'ai pas répondu, Céline, bonsoir. Je suis désolée. Je reçois des centaines et des centaines de messages. Je, je suis submergée par les, les messages. Euh, donc non, c'est pas moi qui fais euh, la liste, je vois des messages arriver. Euh, effectivement, vous êtes nombreux. Euh, alors, en fait, euh, tout, tout le monde est bienvenu. On n'a pas de critères de recrutement. Donc vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'envoyer euh, un message sur cette page. Donc c'est le uh, sœur Ingrid Citoyenne en gilet Jaune. Vous m'envoyez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et euh, ce pourquoi euh, vous voulez que je vous recontacte, on va avoir une équipe qui va euh, s'en occuper et on va pouvoir répondre à vos questions. Donc vous pouvez postuler si vous avez envie de vous joindre à nous euh, sur la liste et, euh, et on fera en sorte euh, de, de vous répondre très rapidement. Alors, bonsoir Jérôme. Alors, euh, modalité collecte de fonds. En fait on n'a pas d'argent, euh, donc euh, on fait appel aux dons. Euh, voilà. On s'était dit que si chacun donnait 5 euros, on aurait la possibilité d'avoir euh, les fonds nécessaires pour... Euh, donc il faudrait 200 000 personnes pour avoir les fonds nécessaires pour euh, partir en campagne. Donc euh, 5 euros euh, pour euh, pouvoir être représentés euh, au sein des institutions, je pense que c'est pas euh, non plus la mer à boire. Euh, on est suffisamment nombreux pour euh, pouvoir se mobiliser. Donc, euh, pourquoi pas? Alors, euh, tac. Pourquoi Ike est parti Parce que Ike euh, ne se retrouvait pas dans, dans ce que nous avions envie de faire. Voilà, c'est tout. Euh, bonsoir Claude. Oui. Alors, mon combat de mère seule, j'aimerais juste revenir là parce que ça défile énormément. Euh, il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et dans ce mouvement, euh, il y a énormément de femmes, comme vous avez pu le voir. Et, euh, et toutes ces femmes, euh, euh, je les représente en partie, de par mon statut de, de femme seule. Donc, euh, oui, effectivement, c'est pas évident. Surtout que maintenant. Euh, euh, comme vous le savez, je bouge beaucoup, donc euh, c'est pas facile, mais il est temps. Il est temps qu'on fasse euh, en sorte que les choses changent et réellement. Voilà. Donc euh, moi je suis femme seule, mais euh, il y a des femmes retraitées aussi pour qui c'est très difficile, euh, des femmes en situation de handicap. Alors je ne dis pas que c'est moins facile pour les hommes, mais euh, la femme en règle générale euh, est très, euh, est très euh, inférieure euh, à l'homme et de par son salaire, et de par la multitude de CDD cumulés. Euh, voilà, c'est prouvé, hein, c'est stat statistiquement prouvé. Donc euh, la femme est inférieure à l'homme. Et il est temps que ça change. Voilà. On a prouvé, nous les Gilets jaunes, qu'on n'avait pas peur d'aller à la castagne. Je... Quand je vois le nombre de nanas qui allaient au front. Voilà mes chers amis, vous constatez comme moi hein, qu'elle elle, s'est mise... La vidéo tourne donc la vidéo n'est pas supprimée. En revanche, à chaque fois que je veux liker un des commentaires qui ne vont pas dans son sens, on me dit Vous voyez, la publication ou l'objet que vous commentiez a été supprimé par le propriétaire et ne peut plus être commenté. Ça veut dire que les commentaires là en question, d'un vous connaissez très bien. Stéphane Collin, hein, un de mes contacts et qui fait euh, que vous, dont vous connaissez les vidéos, hein, Stéphane Collin. Et aussi euh, Yannick Kromenkar. Regardez là, on va regarder. Et euh... On va la mettre en pause. Hein. Regardez le commentaire de Yannick euh, qui fait aussi partie de mes contacts, qui euh, a totalisé 70 likes et que vous comprenez, on ne peut pas liker plus parce qu'elle l'a supprimé ou bloqué. Je, qui écrit, je préfère faire la révolution dehors dans la rue avec mon peuple. Je veux dire, il n'y a pas d'insulte. Hein. Regardez, je vais essayer de liker. Voilà, et là, ça vous dit qu'on ne peut pas liker. On va essayer de voir s'il n'y a pas un commentaire qui va dans son sens, qui lui dit, ah oui, bravo pour votre combat. Voir si on ne peut pas liker. Moi aussi, hein, j'avais mis un commentaire, elle a dû me bloquer ou me supprimer. Donc, Stéphane Collin qui lui dit, euh, là c'est un peu plus direct, tu es simplement l'instrument de nos maîtres pour générer de la division, rien d'autre, et t'écouter est une perte de temps. Là pareil, hein, je, je, je l'ai fait tout à l'heure, on ne peut pas liker. Tiens, on va remonter. Moi je pensais que ça allait défiler les commentaires parce qu'il y en a qui sont à mourir de rire. Là, vous voyez, euh, Stéphane Collin, tu es une représentation malsaine qui prouve euh, grâce à toi notre division. Il a que 3 likes. Vous comprenez pourquoi. Hein euh, normalement, ça devrait être 300 likes. Hein, ce qu'on ne peut plus liker. Euh, TAR, Gilet Jaune. Bonjour Ingrid, le mouvement État politique. Pourquoi tu as changé Et là, il y a zéro interaction. Alors que vous voyez, celui-là euh, qui, qui lui a échappé, il a totalisé 70. Hein. Donc là, on a zéro interaction sur TAR. Euh, Kadijra, tiens on va essayer on peut pas alors est-ce que elle a tout supprimé ben, les commentaires j'en trouve euh, pour l'instant aucun positif hein. là on a, tu n'as tu pas l'accent de la vérité, tu représentes du vent euh, t'es toujours Gilly Jaune Ingrid bon, je pense que Soit tous les commentaires sont bloqués. Euh, voilà, on ne peut rien. On ne peut plus rien commenter. Samir, pareil, il fait partie de mes contacts. Il lui dit, <laughs> recommence s'il te plaît, prends un flashball et tire-toi en pleine figure. Ce serait... Euh, voilà, bon. Alors moi, j'ai écrit les commentaires que vous connaissez, hein. Vous voulez noyer les samedis jaunes et mettre l'attention intra-peuple avec vos blocages économiques, bande de collabos qui appellent à la grève générale. Ce commentaire, je le mets partout. Je pense que je ne pourrais pas me liker. On essaye. Non. Euh, Est-ce qu'il y a des commentaires positifs là J'ai écrit ici si les, si les grèves et les syndicats aboutissaient, ça s'aurait su. Je ne suis pas Shirley. Nous sommes tous gilets jaunes ce que je vais faire c'est que je vais voir si elle ne m'a pas bloqué normalement si elle m'a bloqué je peux pas voir sans live hein, mais alors je vais voir si elle m'a pas bloqué sur le côté ici euh, alors je vais regarder ici est ce que vous vous arrivez à intervenir sur les commentaires alors, regardez si vous arrivez vous à intervenir ah voilà alors moi je n'arrive plus à voir cette publication à mon avis. Elle m'a bloqué. Je vais voir donc sur son live sur son profil. Alors, c'est là où elle porte un gilet jaune. En fait, c'est une page. C'est une page. Alors la page, je peux je peux y être. Est-ce que est-ce qu'elle a gardé le live dessus Alors vérifiez, hein. c'est peut-être le live qu'elle a euh, désactivé. Hein. Vérifiez, dites-moi, je vais essayer de vous lire en même temps. Euh, bon, est-ce que vous vous arrivez à voir ce live-là En tout cas, bon. Alors on continue. Euh, euh, regardez. Tout le monde vendu retire les gilets jaunes tu représentes personne on veut pas d'européenne euh... alors ça c'est les Ils sont les... les plus pertinents on va mettre commentaire en temps réel alors qu'est-ce qu'on a on ne on te veut pas tiens on ne peut plus interagir du tout. Demander de l'argent à Macron. Parce qu'elle demande en plus, elle demande de, de, de l'argent toujours. Elle dit, euh, quand vous pouvez mettre de l'essence pour aller manifester les samedis, vous pouvez très bien euh, donner 5 euros. C'est quand même très extrêmement culotté. Hein. Euh, ex les mots m'échappent. Il hein. y en a certains, ils ont un culot mais monstrueux hein. laisse les gilets jaunes tranquilles on peut plus interagir hein. on peut plus rien faire on ne veut pas de ta liste euh, revenez vous battre avec nous si vous avez vraiment une idéologie gilets jaunes on peut rien on peut pas interagir euh, tu es tout sauf un gilet jaune jamais je voterai pour vous trahis Très traître peut-être, elle voulait dire. Une vraie Gilet jaune ne voudrait pas de euh, l'Union européenne qui nous rend esclaves de la dette. Tu es ridicule. Tu nous diras combien Macron t'a promis. Bon. Euh, voilà, c'est clair et net. Elle ose, hein, elle ose. Mais allez, je vais vous laisser l'écouter. Tant que la vidéo pour l'instant, on peut la voir. en moins. Alors moi, je l'ai récupérée, la vidéo, hein, si Ingrid ou quelqu'un de son soutien... Me regarde, sachez que c'est peine perdue. La vidéo est chez votre serviteur, mais on va la regarder. On va continuer à la regarder sur son site, tant qu'on qu y est. Allez, c'est parti. Et euh, allez droit sur, sur à l'affrontement. Je me dis que euh, elles ont de la poigne, il faut continuer. Alors. Euh... Donc là, c'était le petit coup que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le petit coup euh, franc-maçonnerie. Euh, je défends les femmes, les femmes seules. La vraie question est pourquoi euh, les femmes sont seules hein, et les hommes aussi. Pourquoi sont-ils seuls Bon, le complot contre la famille. Hein. Euh, voilà, ça c'était le petit coup euh, Bernard Tapin, euh, le petit coup féminisme. Comme s'il n'y avait pas assez de monde sur les, sur le, sur l'affaire. Hein. Alors non, on ne fait pas une cagnotte. C'est pas une cagnotte, c'est un don au parti, un don au mouvement que nous avons créé. Euh, y a-t-il un programme Non, on attend justement que vous puissiez euh, vous joindre à nous pour le créer ce programme parce que c'est un programme de citoyens. Euh, bonsoir Jennifer. Tac, tac, tac. Alors, euh, je suis désolée monsieur, mais euh, euh, je vois que vous dites qu'on n'est pas... Euh, on est apolitique. Ben... Euh, on fait de la politique et ce depuis le départ. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez envie de laisser euh, euh, tous ceux qui vous mènent par le bout de du nez, le, le bout du nez euh, depuis le départ, que ce soit euh, à gauche, à droite, euh, on nous fait espérer beaucoup de choses. Oui, Nine Force, c'est vrai. Je reviens après vers vous. Euh, on nous fait espérer beaucoup de choses, on, a fait, on nous a fait espérer des, des choses terribles depuis le départ, euh, une quarantaine d'années. Si vous avez envie de continuer à voter à gauche, à droite, euh, allez-y, nous ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de nouveau avec des citoyens et des gilets jaunes. Euh, Dis-nous comment verser concrètement euh, on, on espère que vous euh, pourrez verser très rapidement sur euh, notre association. Je vais, je vais mettre en fait toutes les informations sur la page très très rapidement. Vous êtes tellement nombreux que j'ai du mal à dire. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur. On ne fait pas gagner Macron. Si vous vous mobilisez tous et que vous alliez voter, et, et, mais vous et, et tous les autres, hein, c'est-à-dire que. Euh, S'il y a 60% d'abstention euh, comme les dernières fois, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose qui changera maintenant. Le but, c'est que ça change réellement et qu'on puisse créer un parti qui soit euh, euh, propre à nos revendications. Euh, J'ai pas besoin de, de me légitimer. Euh, c'est à dire que je, je suis gilet jaune et ce depuis toujours, et j'ai pas attendu le 17 novembre pour être gilet jaune, donc euh, voilà, je vais certainement pas me justifier sans 7 ans, euh, j'ai rien demandé à personne et je demanderai rien à personne parce que euh, voilà, je suis une gilet jaune, c'est tout. Merci Nico. Un point, c'est tout. Alors ça, ça me fait penser euh, ceux qui n'ont les, les manipulateurs et ceux à court d'arguments. Un point c'est tout. Hein, c'est se faire élire de, de cette manière. Un point c'est tout. Et puis elle, elle sait plus comment trier. Parce que moi, je l'ai vu hein, euh, le live tout à l'heure. Euh, C'était une déferlante des mêmes pro commentaires que je vous ai lus. Hein, C'est-à-dire, mais, mais, mais tais-toi, mais jamais on te donnera de l'argent, mais ça va pas. Mais mais, 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 quelle folie! Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, vous voyez, elle arrive quand même à, à, à faire genre qu'elle ne les lit pas et de, de, de trouver dans cet amas-là des commentaires qui sont à peu près acceptables, voire qui lui disent qu'elle est formidable et qu'elle représente les femmes. Et comment on peut donner? Comment on peut donner? Moi, j'ai vu aucun qui dit, aucun commentaire hein, qui dit euh, comment on peut donner de l'argent. Alors, j'ai pas demandé 800 000 euros aux gilets jaunes, mais si on est capable de mettre 5 euros pour aller à un endroit ou à un autre pour mettre de l'essence et aller manifester, je pense qu'on peut mettre 5 euros dans quelque chose qui nous représenterait. Vous voyez, c'est tout bête. Je vais pas demander 800 000 euros à des gilets jaunes puisqu'on est tous fauchés et, et ça n'a pas changé. Euh, pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Parce que c'est les premières élections et que euh, c'est hyper important euh, de se présenter dès les premières élections. Sinon vous allez laisser passer 5 euh, ans et on ne se présentera pas dans 5 ans. Ce ne sera plus du tout la même chose. Euh, J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de soutien et c'est ce pourquoi je me lance aujourd'hui. Euh, J'ai pas... Euh, je ne vais pas me laisser faire par euh, des personnes qui essaient de me menacer ou de mettre à mal. Euh, je suis plutôt euh, du genre à me battre. Et euh, comme j'ai reçu quasiment 70% euh, de messages très positifs, euh, je vais pas arrêter parce que les gens. 70% de messages positifs. Il n'y a qu'à. Je vais dire, on demande à, à Facebook de. 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 montrer le live exactement comment il s'est passé avec les commentaires en temps réel hein, c'est des gens qui sont qui sont abonnés là regardez elle totalise 34 776 vues si on regarde juste au niveau commentaires on arrive à je vous dis je vous jure facilement à au moins 90% de commentaires négatifs contre elle contre ce qu'elle ce sa politique, ce qu'elle compte faire. Enfin, un, globalement, on a, on a 90 per, personnes qui la réfutent. Et elle dit qu'elle, à l'inverse, elle dit qu'elle a 70 de personnes qui la soutiennent, 70 d'opinions positives. C'est c'est énorme. Les gens sont là et me demandent comment à me battre. Et euh, comme j'ai reçu quasiment 70% de messages très positifs, euh, je ne vais pas arrêter parce que les gens sont là et me demandent comment faire, pourquoi, euh, comment se mobiliser, comment me soutenir. Et du coup, on continue. On se mobilise euh, et je continuerai coûte que coûte. <laughs> Alors, le salaire et ses avantages, si vous croyez que je vais me rabaisser euh, à ce genre de choses, euh, le salaire et ses avantages, je pense que ce n'est pas tout à fait une très bonne euh, réplique, étant donné que j'ai tout sauf envie de faire euh, comme tous les politiciens euh, auparavant. Euh... <laughs> Merci Olivia. Ça va très très vite. Alors, je répète, vous pouvez encore euh, euh, m'envoyer euh, un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et la raison pour laquelle. Donc, surtout ne faites pas ça, ne lui envoyez ni argent, ni euh, vos coordonnées, etc. Parce que c'est non seulement une manière de, de vous ficher. Et si demain vous, vous je ne sais pas, vous comptiez. Euh, faire partie de, de, des justes, des résistants, de la dissidence, ah ben c'est sûr que si vous lui envoyez euh, ou vous lui donnez votre soutien, euh, c'est que vous êtes un idiot utile et que euh, toutes les portes de la dissidence vous seront fermées. Hein. Surtout, ne faites pas cette connerie. Hein. Je pense que j'ai même pas besoin de, de le dire à mes contacts, mais je parle aux personnes qui tomberaient sur ma vidéo par hasard. Très, très vite. Alors je répète, vous pouvez encore euh, euh, mettre euh, m'envoyer me, un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et la raison pour laquelle... Euh... <laughs> Merci pour les messages. Et la raison pour laquelle vous souhaitez me joindre. Pouvoir d'achat d'abord. Mais je suis entièrement d'accord. On en a ras le bol de trimer comme des cons. Et ça, je suis désolée, mais il est temps que ça change. Alors... Mais arrêtez, on, on fait de la politique de toute façon. À partir du moment où on conteste quelque chose, on fait de la politique. Voilà, les citoyens ne s'arrêtent pas aux gilets jaunes, c'est clair. On est tous... Euh, si à un moment donné, on a eu 70% de soutien, euh, ce n'est pas uniquement les gilets jaunes qui sont dans la rue. C'est les citoyens en règle générale. Et nous sommes euh, partis pour, pour donner un plus euh, euh, alors là, c'est son live qui, qui bug à la fin. Hein. Donc, euh, bon, bah, moi, je, 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 je dis ça, je, je suppose. Hein. Est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a des passages qui ont été enlevés? Allez, on va supposer que c'est son live qui bug. Donc, c'est assez difficile à regarder. On va, il reste trois minutes, on va quand même mettre. Juste, mes amis, je vous invite à vraiment, je, je sais, hein, si on était entre nous, on, on se lâcherait. Mais je vous invite à ne pas leur donner euh, un moyen, parce qu'il s'est fait exprès, pour ensuite, vous normalement dans les jours qui viennent, vous, vous la verrez pleurnicher dans les merdias en disant qu'elle a été insultée, menacée de mort. Enfin, vous connaissez le, la musique pour pouvoir, pour qu'elle puisse exister encore dans les médias et qu'elle qu puisse avoir une actualité politique parce qu'elle n'en a aucune. Donc, euh, s'il vous plaît, ne mettez pas des commentaires sur mon live. Et qui pourrait lui donner une chance de, de, de justement de dire que nous l'avons, nous avons voulu soit la brûler ou la violer ou que sais-je, l'assassiner ou quoi que ce soit. Nous sommes des gens, nous n'avons jamais cherché à tuer ni à maltraiter, torturer, violer qui que ce soit. Nous, nous sommes juste en train de critiquer quelqu'un qui a choisi d'être public, hein, qui se met en public. Comme votre serviteur, hein, je pourrais pas me plaindre demain. Voilà, je suis... Moi déjà, j'ai été plein de fois menacé et personne ne s'inquiète de mon sort. Donc voilà, mes amis, hein, s'il vous plaît, euh, ne mettons pas, ne donnant pas la chance hein, à ces zigotos de, de trouver un argument facile. Allez, on continue. Open. Et ensuite, on espère que tout le monde se mobilisera pour suivre le chemin. Et je pense sincèrement que c'est comme ça que ça va se passer. Euh, je pense qu'il y aura les municipales, les législatives et ainsi de suite. Donc, on, on donne seulement l'impulsion, on est le tremplin pour la suite. Donc, c'est pour ça qu'on se lance maintenant. Il n'y a pas que des Jaune. jaunes. Donc là, c'est son live qui bug à la fin. Hein. Je, vous, je vous ai prévenu. Je suis là. Voilà, donc son live. Il se termine dans deux minutes. J'en profite pour, pour lire le, le commentaire de Subtil Ben. Bonsoir, euh, mon cher ami, ma chère amie. Euh, tu as écrit, euh, je vais voter pour elle, elle est belle, et moi aussi, je veux une place auprès d'elle. Voilà, c'est ça, c'est de l'ironie euh, extrêmement sympathique. J'espère qu'elle va te contacter, <laughs> parce que tu seras auras fait un seul com commentaire positif, tout réseau socio sociaux, voilà. De ce soir, subtil Ben, tu as de une forte chance de, de faire partie de de ce de son de son premier cercle. Hein. Tu feras partie de ses cadres. Voilà, vous voyez, hein, ça se termine comme ça. Il n'y a plus. Quand on ne sait plus quoi dire, il y a toujours souvent une main invisible qui vous fait sortir d'une manifestation grâce à une attaque ou qui fait bugger votre live. Et c'est ce qui pourrait être facile comme excuse aussi pour dire j'ai supprimé ce live, et il a bugué. Hein, alors que vous avez vu les commentaires. Hein. Voilà. Donc ça se termine ainsi. Hein. Voilà. C'est le hasard fait bien les choses quand même. Hein. Voilà, mes chers amis. Allez, je vais me remettre à l'image. Hein. Il se termine comme ça, là. voilà. Il s'est terminé. Et de toute façon, euh, j'ai l'objet, l'objet de la controverse. Je l'ai, donc je vous ai dit. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va enlever ça. Bon, bah, c'était c'était assez amusant. Hein, parce que d'être comique à ce point-là, hein, c'est vraiment le chercher. Hein, c'est vraiment le chercher hein, d'avoir de, de, autant de, de autant de, de, de critiques de personnes qui la trouvent. Qui la trouvent pas du tout sérieuse. Hein. Donc voilà, le, ça c'est la page. L Effectivement, vous avez été plusieurs à aller vérifier et à me dire que vous, la, vous ne la voyez pas, cette vidéo. Hein. Donc je vais vous montrer la page. Et puis j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mes chers amis. Alors je suis fatigué comme vous, malheureusement, on va essayer d'avancer. Hein. Voilà, Ingrid, le Levas, Ingrid, citoyenne en gilet jaune. Et le, le, le c'est hâte plus que jamais gilet jaune j'ai envie de dire moins que jamais hein. c'est toujours c'est francs-maçons et le, le jeu avec les mots hein. ils vont ils vont vous parler de paix de paix dans le monde et ils vont euh, ils vont être euh, ils vont créer des guerres ils vont faire des guerres dans le monde c'est euh, bon voilà vous voyez on la voit pas cette vidéo ce live on la voit, on le voit pas Ah, regardez, j'ai pris une décision grâce à votre culot son nom, Madame Marlène schiappa Alors merci. Là il va 21h15, plus que jamais. gilet jaune elle, elle avait mis ça sur Twitter. Est-ce qu'il n'y Donc voilà. vous voyez, le jeu c'est un, un tour de passe-passe entre les deux pour, pour, pour faire la, la promo des deux en fait. Hein. Eux, non Madame Levasseur disait être scandalisée que des attachés parlementaires soient payés 12 000 euros par mois pour faire le café. Madir Cab a rectifié les missions et le niveau de salaire. Et nous sommes passés à autre chose. Bon, est-ce que vraiment c'est... Mais là, bon, je... c'est ce que je viens de vous lire. Merci pour cette leçon de mauvaise foi politique. Ah bah, c'est pas la même chose. Hein. Là, regardez. Grâce à votre culot sans nom, merci. Et là, regardez comment c'est policé. Merci pour cette leçon de mauvaise foi politique, madame. Désormais, je ferai des lives lors de mes rendez-vous avec les politiciens pro. Transparence, plus que jamais. Et comment elle reproduit ça J'ai pris une décision grâce à votre culot sans nom. Bon allez, on va pas y passer la soirée. Hein. Quelqu'un, ils sont tous comme ça, de toute façon dans la politique. Hein. Ils cherchent à exister, euh, ils fabriquent leur propre euh, scandale. Hein. Et là, tout le monde est dans le coup. Hein. Les... la franc-maçonnerie, c'est comme ça. Euh... Certainement qu'elles euh, se connaissent, elles se sont déjà croisées. On a vu déjà dans une vidéo que avec euh, je ne sais quelle... je ne sais plus comment elle s'appelle. La secrétaire d'État qui, euh, qui avait fait le, le direct avec eux, qui lui a dit Ah, vous revoilà, vous Donc euh, voilà, ils se, se croisent, ils se connaissent. On a vu la photo de Jacqueline Gouraud avec Emmanuel Macron. Euh, elle était en blanc cette fois-ci, elle n'arrête pas de changer de coiffure, la Jacqueline Gouraud. Elle croit peut-être qu'on ne va pas la reconnaître. Qu'elle est savoir avec son niveau intellectuel. Peut-être qu'elle y croit vraiment à ça. Hein. Alors. Mes amis, allez, je vais, je vais lancer ça déjà. Hop. allez, je vais quand même vous saluer très rapidement, mais extrêmement rapidement, mes chers amis. Je vous ai pas mal lu. Hein. Euh, je vais juste vous saluer. Allez, Marie. Je ne sais pas si, si je pourrais remonter tout en haut. Felice, Valérie, bonsoir, Yann limousin Olivier Poco, Marie Lefebvre Tavernier, Pat Patou, tu m'as fait beaucoup rire, Pat Patou. Euh, bonsoir Marie Lefebvre Tavernier, bonsoir euh, toutes les personnes que j'ai citées. Antolori, Samir Genoun, toi tu l'avais bien chargé, j'ai vu. Samir Genoun, euh, Subtil Ben, euh, tu m'as fait trop rire toi aussi. Euh, Olivier, je t'ai salué. JP huguenel. Euh, bonsoir tout le monde. Alors, Katia Van Fennel, Luc Revoltaire, Tartelin Orsini, euh, Axel Enu, euh, qui d'autre Annie Isabelle, bonsoir les amis, Sabrina Bertir, bonsoir, euh, qui d'autre que je n'ai pas vu Elise Cuté, bonsoir ma chère amie, euh, qui d'autre peu, 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 peu... Qui je n'ai pas salué qui j'ai raté Gilbert mon, mon ami comment tu vas? Qui d'autre? Te Giginani, ma chère amie, comment tu vas? Tu dis ça fait un moment que je t'avais dit que cette fille là fallait se méfier. Elle est très rusée. C'est vrai qu'elle est belle, mais faire attention. Je te l'avais déjà dit parfaitement, Gigi, parfaitement. Nous sommes, nous le savions à peu près tous et nous étions tous euh, euh, sur le coup. Hein. Euh, tu as raison, bravo. Euh, Awa Touré, euh, bonsoir, je ne te connais pas, bienvenue. Euh, qui d'autre Elodie Lucci Manino, bonsoir. Richard Debré si je t'ai pas déjà salué, bonsoir. Alors, ok. Allez. Euh, mes amis, on va avancer. Les autres réseaux, je suis désolé. Euh, tiens, Yann Limousin, tu es aussi avec Elise sur VK. Eh bien, bonsoir de VK les amis. Et tous les autres que j'ai loupés parce que euh, c'est pas évident les commentaires. Pour remonter après, c'est pas évident. Eh bien, bonsoir quand même, et tous ceux qui regarderont ce live en replay s'il n'est pas censuré, parce qu'à mon avis, euh, la Ingrid et ses soutiens et la franc-maçonnerie. D'ailleurs, hier j'ai reçu des menaces, hein, vous étiez présents dans les commentaires, arrêtez ce live immé immédiatement, nous avons votre numéro de téléphone et tout. Tout à l'heure j'ai été attaqué sur ma connexion, donc vous voyez bien. Pour l'instant, j'arrive à parer euh, contre diverses attaques à mon humble niveau. Euh, et donc hier, bon bah c'était vous arrêter immédiatement le live. Et puis quoi encore hein, C'est les amis, ou plutôt les ennemis. Euh, si vous pensez que je vais me coucher euh, maintenant que je suis dans la dissidence et dans l'éveil des autres et le fait de balancer la vérité sur la franc-maçonnerie, etc. Et depuis des années. Vous pouvez toujours essayer, hein, ça n'a pas de sens. Hein. Réfléchissez deux secondes. Hein. Je n'ai pas fait tout ça euh, pour euh, couper un live parce que vous me l'avez ordonné, hein, la franc-maçonnerie. Hein. Vous pouvez toujours tenter. Hein. Euh, alors oui, allez, je vais, je vais vous mettre des choses qui vont vous plaire. Allez, je vais vous mettre vraiment des choses qui vont vous plaire, les amis. Je vous ai préparé. Alors tiens, on va commencer. Euh, euh, je vous donnerai l'information euh, euh, concernant Benalla, un truc incroyable. Mais euh, le, le, les, les, les amis, la vingtaine d'amis qui est resté jusque-là, parce que je sais que vous devez vous cocher, vous travaillez lundi, il est déjà une heure. Alors tiens, on se quitte pas comme ça. Vous pouvez partir après. Ça dure une minute, une minute, euh, 13 secondes, ce que je vais vous mettre. Ça va vous faire plaisir, c'est sûr. Hitler est-il décédé ou pas? Euh, voilà, la théorie que je vais vous donner, c'est la théorie avec laquelle je suis à l'aise, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, les corps qui ont été retrouvés euh, ne comportent pas euh, le corps de Hitler. C'est su et connu avec les manipulateurs, quand on sait, quand on sait que c'est leur méthodologie de faire passer des découvertes pour des découvertes millénaires, des des, 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 des corps, des, des objets des, des, des comment dire des, 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 des papiers des livres des écrits hein, des, des parchemins c'est leur c'est leur ça ils savent faire hein, dater les choses comme il dater les, les, les choses comme ils le souhaitent oui parce que soi-disant que eux ils ont la datation carbone etc euh, raconter leur 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 belle, leur beau contes de fées autour des pyramides euh, euh, égyptiennes, autour de plein de, 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 de monuments, d'édifices à travers la planète qui posent, qui questionnent, mais qui sont mystérieux, qui sont entourés de plein de, de mythes et de et d'histoires extraordinaires. Bon bah ben ça c'est le domaine de la franc-maçonnerie. Hein raconter des histoires, euh, écrire des films, orchestrer, l'orchestration, c'est leur fort, orchestrer, euh, élaborer des scénarios, etc. C'est leur dada, ça me fait penser aussi à Ben Laden, pourquoi a-t-on décidé de le couler dans la mer quelque part Ça, je vais dire, ça ne tient pas euh, debout, beaucoup d'histoires ne tiennent pas à force, on connaît leur méthodologie, ça ne tient pas vraiment. Euh, debout alors je vais vous mettre le petit documentaire sur Hitler et après euh, je vous, vous ferai votre propre idée sachez que c'est un vrai document de la CIA qui a été déclassifié hein, qui a été déclassifié que vous verrez dans la vidéo allez on y va ça c'est mon mon petit cadeau de ce soir une minute de bonheur bonheur pour l'intellectuel hein. attention hein, qu'on m'aille pas nous accuser ou m'accuser de de, de de comment dire de de faire la promotion de Hitler ou quoi que ce soit ou de de d'aimer euh, Hitler hein. là on parle de nourriture intellectuelle pour nos cerveaux hein, qui, euh, qui ont le droit de demander des explications sur est-ce que Hitler est mort vraiment ou est-ce qu'on a maquillé euh, sa fuite hein. Est-ce qu'on a maquillé euh, sa, sa, sa soi-disant mort hein On a le droit de s'interroger sur l'existence ou pas de Jeanne d'Arc. On a le droit de se questionner. Hein Il est hors de question de, que, que ce live ne soit attaqué pour une quelconque remise en question de, de la souffrance euh, dont les juifs, les tziganes, les, les, les gitans, et euh, aussi. Les Français, le peuple allemand, le peuple français, les peuples africains, les peuples nord-africains euh, ont, ont souffert pendant les, 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 deux, les deux guerres mondiales. Hein. Il est hors de question de remettre en question tout ça. Hein. Allez, on regarde. Alors c'est en anglais mais c'est assez assez euh, simple à comprendre. Hein. Ça c'est le document donc déclassifié. Donc il, a été, il aurait vécu, il aura, il aurait vécu en Colombie et donc c'est quelqu'un euh, la source CIA s'appelle Citroën qui a confirmé ça, il aurait vécu donc de euh, jusque dans les années 50. Là, vous avez un document de 1963 avec la photo qui pourrait être Hitler. En tout cas, ça c'est un document de la CIA qui est daté de 1963. Et donc la version officielle est que euh, son corps a été découvert par les euh, soviétiques par les Russes il a été déclaré mort officiellement par une cour allemande en 1956 hitler voilà ça va vite hein, mais vous reverrez ça calmement voilà mes amis alors ça c'était pour le petit cadeau de ce soir pour ceux qui avaient un petit doute sur le la, la version officielle concernant donc la, la, la la mort de Hitler, euh, le fait qu'il qu se serait suicidé dans son bunker, bah c'est vrai que ça paraît en peine à y croire. En peine à y croire. Hein, à y croire. Euh, pourquoi n'a-t-il pas tenté la fuite euh, Est-il aussi courageux à ce point de se suicider Quelque part, il faut quand même pas mal euh, de courage hein, pour se suicider. Quand vous avez quelqu'un. Les, tous les autres ont été jugés donc euh, par les tribunaux de Nuremberg et euh, la plupart n ont, n ont ont été exfiltrés par les services américains pour continuer les programmes MK Ultra hein, par rapport à, au contrôle mental et la chimie la, la chimie dans la dans la, tout ce qui est euh, que ce soit pharmacologie euh, ou utilisation militaire à des fins de contrôle mental et euh, voilà, euh, Hitler serait le seul à euh, avoir voulu éviter de prendre le risque de fuir et d'être euh, rattrapé et d'être jugé et au final de, 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 de pouvoir être sauvé par la suite, exfiltré par les Américains. Ça ne tient pas debout hein. quand on est de cette stature, quand on est de cette, euh, je vais dire, quand on est de cette. Euh, euh, quand on se met dans la peau du personnage, il est évident que c'est sûr qu'il aurait laissé le suicide en dernière, 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 dernière possibilité. Il aurait tenté coûte que coûte de, 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 de fuir, de, de, de faire des accords, d'abdiquer. De, 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 enfin, il y a une mille, mille, une façons, mille et une façons de terminer une guerre. Hein. Donc c'est sûr et certain, pour moi en tout cas, ma théorie, c'est que. L'hypothèse en tout cas du suicide est totalement et absolument euh, inventée. Euh, voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vais vous montrer donc autre chose. Euh, alors voilà, je voulais vous donner des infos sur euh, pour changer, mais c'est je dis ça ironiquement, sur Benalla. Eh bien sachez, sachez, moi je, je suis tombé euh, presque de ma chaise, hein, mais en tout cas je suis tombé des nus. En apprenant, je vous ai pas donné l'information hier, mais alors j'ai un article à vous montrer, il est où J'ai appris que le, le couple qui a été tabassé, en tout cas le garçon avec sa copine, qui ont été tabassés par, il euh, n'y a pas que Benalla, hein, par Benalla et compagnie, a été condamné à 500 euros d'amende. Hein. C'est énorme, énorme de... Euh de franc-maçonnerie j'ai envie de dire parce que la justice vous savez très bien que tout est corrompu tiens je vous mets ça à l'écran regardez c'est énorme pour ceux qui ne l'ont pas vu moi j'ai j'ai cru j'ai cru que c'était une blague voilà regardez l'article affaire benalla euh, 500 euros d'amende pour le couple de la Contrescarpe interpellé violemment par Alexandre Benalla le 1er mai, Chloé P et euh, Giorgio D écoppent chacun, hein, chacun ce qui fait 1000 euros, hein, ce qu'ils sont en couple, enfin, euh, en supposant qu'ils sont toujours ensemble, écoppent chacun de 500 euros d'amende pour violence envers des policiers. C'est énorme, c'est énorme, c'est. Enfin, je ne sais pas, là, à force, vous savez, à force de trouver tout scandaleux tous les jours dans ce que. Ce qu'on nous impose, euh, euh, on ne sait plus quoi dire hein, après. Hein. On sait plus quoi dire. Les qualificatifs et les superlatifs, euh, n'ont plus, non plus de valeur, non plus de sens. Les deux jeunes gens comparaissaient devant le tribunal correctionnel alors que s'accumulent les révélations sur l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, mis en examen pour des violences sur des manifestants, mais aussi pour l'usage abusif de ses passeports euh, diplomatiques. Et moi, j'ai envie de dire euh, euh, aussi, de, il devrait, enfin, c'est tout à fait normal, qu'il doit être mis euh, en examen euh, pour violation de, de des conditions de sa, de sa, de sa mise en examen de son contrôle judiciaire, de sa mise en liberté, hein, parce qu'il devait pas entrer en contact avec Vincent Kras il euh, y, a, y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû faire et aussi et aussi parjure, parjure devant devant, devant le, le, le Sénat et l'Assemblée, hein. il a commis plusieurs parjures, entre autres euh, euh, donc de nier de Nier euh, euh, avoir été en contact euh, non seulement avec Macron mais avec aussi Vincent Crase. Donc il était reproché à Giorgio D, cuisinier grec de 29 ans, et à sa compagne Chloé P, graphiste, graphiste française de 30 ans, d'avoir jeté des projectiles contre les forces de l'ordre, place de la Contrescarpe. Dans le quartier latin, le 1er mai 2018. Un rassemblement avait dégénéré sur cette place après une traditionnelle journée de manifestation émaillée de violence. Ok. Bon, voilà, euh, c'est pas l'objet, mais contenu sponsorisé, euh, on voit le manipulateur euh, Drucker, hein, le sioniste Drucker. Ok. Le couple inconnu, inconnu, hein, c'est des gens qui n'ont jamais été connus par les services de police, inconnu auparavant de la police et de la justice, affirme être simplement sorti boire un verre avant de se retrouver pris dans les heures au cours desquelles le jeune homme a reconnu avoir jeté une carafe d'eau envers les CRS et sa compagne un objet qui pourrait être un cendrier. Euh reconnus euh, euh, moi je sais qu'ils sont revenus sur leur version, hein. on sait très bien comment euh, so, par quels moyens ce, ce type de, de ce type de, on va dire d'aveu est obtenu, hein. on sait qu'il y a des gens pour pas citer euh, leur nom comme Patrick Dills euh, qui ont fait des, des dizaines d'années de présent euh, alors que euh, leurs aveux ont été soutirés, donc soutirés par la manipulation policière hein. alors on continue alors là vous voyez il y a ce dossier là Vincent Kras l'alter ego de Benalla a reçu près de 300 mille euros d'un proche de Vladimir Poutine ça c'est une autre affaire il y a donc des liens entre Benalla et un homme euh aussi, hein, mis à part Kraz, Benalla, il y a des liens à éclaircir avec un, un homme d'affaires russe. Voilà. Les jeunes gens n'avaient été placés en garde à vue qu'en octobre dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet. La police débordé le 1er mai, avait donné la priorité aux personnes soupçonnées d'être des casseurs. Je veux dire, euh, ils jettent une carafe et un cendrier, vous voyez bien. Et ça, pour les CRS, ce jour-là, ce n'est pas des casseurs pour eux. Ils se suffisent juste de, leur, euh, de les tabasser et ils ne les interpellent pas. Et en revanche, ils interpellent d'autres personnes. Et euh, donc, 1er mai 2018. Ils attendent jusqu'en octobre. C'est ici. Voilà. C'est où c'est là. Voilà. Les jeunes gens n'avaient été placés. Ils attendent jusqu'en octobre pour aller les, les placer en garde à vue. Hein. C'est énorme. On dit qu'ils jettent une carafe, un cendrier pour les, les CRS. Ça vaut un tabassage en règle mais pas qu'ils les désignent comme étant des casseurs. Ils ont voulu étouffer ça tout simplement. Et donc l'explication c'est que la police débordée le 1er mai avait donné la priorité aux personnes soupçonnées d'être des casseurs, euh, bien sûr. Dans des interviews accordées en Septembre au monde et à l'émission Le Quotidien, le couple de la Contre-Escarpe, comme l'ont surnommé les médias, a décrit et regretté une réaction sanguine. Euh, au comportement euh, des CRS alors on va finir l'article oh, ça c'est la pub qui fait donc euh, bouger la, la page ok et en plus regardez ils disent, tout est contredit, hein, tout est contredit, c'est énorme. C'est énorme parce qu'ils disent, regardez bien, hein, je, je, je suis désolé, j'insiste, mais il faut aller jusqu'au bout. Hein. Regardez, on répète, je répète, je répète ce passage. La police débordée le 1er mai avait donné la priorité aux personnes soupçonnées d'être des casseurs, ça veut dire que le couple qui a été tabassé n'a pas été considéré comme étant le plus méchant des de, de personnes qui en plus qui ont été interpellées. Et regardez qu'est-ce qu'on peut lire ici. Regardez qu'est-ce qu'on peut lire ici. C'était les deux personnes les plus virulentes. Avait dit sur eux l'ancien collaborateur de l'Élysée lors de sa garde à vue le 20 juillet. Le 20 juillet, hein. C'était les deux personnes les plus virulentes. Donc là, c'est Benalla qui parle. Hein. Il l'avait dit euh, quand il a été en garde à vue le 20 juillet. C'était les deux personnes les plus virulentes. Et on nous dit plus haut que les CRS ne les ont pas interpellés parce qu'ils ont trouvé encore plus, plus virulents que eux. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas. Tout ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pour l'effet du 1er mai, Alexandre Benalla a été mis en examen pour violence en réunion et immixion dans l'exercice d'une fonction publique. Là, ils n'ont pas mis le fait qu'il a fait blocage à. Euh, il, a fait, il a essayé d'empêcher il a fait obstruction à la comment dire à la perquisition chez lui. il a caché des informations sur sa campagne, il a pris des bandes de caméra surveillance alors qu'il n'en avait pas euh, l'habilitation. Et j'en passe, hein, et tout ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure sur le fait qu'il a, a, il il a, il a fait un parjure, etc., etc. Donc, euh, hein, il nie toute forme de violence et assure avoir agi par réflexe citoyen. Donc là, c'est le fameux euh, Benalla. Alors, mes amis, euh, pour finir, donc euh, sur l'information que je vous donne sur Benalla, j'aimerais euh, vous diffusez euh, tout de suite dans la foulée. Après, bon, ben on, on, je verrai j'ai pas pu regarder vos commentaires. J'aimerais vous diffuser dans la foulée. Ce que j'ai déjà diffusé, c'est extrêmement court. Hein. C'est extrêmement court. C'est une vidéo qui est ressortie là très très récemment que j'ai déjà diffusé sur donc la, 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 le tabassage de ce couple place de la Contrescarpe C'est une vidéo qui n'a pas de son. Hein, qui a été sorti comme par hasard par toujours les mêmes, Mediapart, qui, qui, ont, qui doivent avoir euh, 100 fois moins de, de moyens, 100 fois moins de journalistes que BFMVC, TF1, M6 et que sais-je, mais qui arrivent à avoir 1000 fois plus de scoops, 1000 fois plus d'éléments, 1000 fois plus d'affaires, c'est encore une fois, c'est à peu près comme le, le canard enchaîné, hein, c'est encore une fois un petit coup de, des francs-maçons. Hein. Pour nous faire croire à certaines de leurs inventions. Alors, regardez la vidéo. Alors, pourquoi je vous montre cette vidéo qui est ressortie que je, on, on voit pas dans les merdias, hein, bizarrement hein, Parce que vous verrez que finalement, finalement, et c'est là où je vais dire le champ de la réflexion, euh, je le laisse libre à, à tout un chacun, c'est que finalement, de ce que, euh, de ce qui ressort de cette vidéo, Benalla, franchement. Hein, ça n'a pas été le plus violent. Hein. Vous voyez les CRS comment ils s'acharnent sur le mec. C'est Benalla. Franchement, moi, de, de mon point de vue, ça n'a pas été le plus, euh, le, plus euh, le plus, le plus, méchant, on va dire. Hein. Regardez. Allez, il n'y a pas de sang, donc je vais vous montrer avec la souris. Je vais vous montrer Benalla, mais il est facile à repérer. Il est là, Benalla. Alexandre Benalla, il est là allez suivez l'action hein, et vous verrez donc le couple il est là vous verrez comment ils vont être malmenés par les CRS Benalla vraiment c'est à côté euh, c'est c'était c'était des bisous hein. allez on regarde donc suivez Benalla Là, vous reconnaissez crase Benalla il est là regardez Benalla il est plus en tant que à l'écart il voit que ça vient dans tous les sens là franchement c'est pas violent il dit à la jeune fille euh, écarte toi et là, par contre, regardez le déchaînement. Regardez. Regardez le mec. Vous avez vu le coup de genou? Regardez. C'est. Il a. Regardez. Pied, genou à 3 sur lui hein. il... Franchement, regardez. Les pieds genoux, ils sont à 3 sur lui. Minimum. Je vais dire, c'est. Voilà, moi je vous ai donné mon analyse. Regardez, Benalla, ben ben il est là. Et il regarde, enfin voilà, il est, il est un peu. Il voit que ça déborde de trop hein, pour quelqu'un qui fait de la politique, qui est aux côtés de Macron. Il voit que ça devient ingérable, que ça ne s'arrête pas l'interpellation et qu'il y a beaucoup de monde. Regardez, vous, avez, vous voyez beaucoup de jeunes filles, beaucoup de monde qui, qui reviennent à la charge en disant Mais qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Mais calmez-vous Mais vous leur faites mal, etc. Et pff, enfin, on a l'impression que Benalla, c'est plus par. Euh, parce par, par qu'il voulait. Euh, il voulait que ça, ça devienne pas une affaire politique, donc qu'il fait son intervention. Alors, je, je ne soutiens pas Benalla, lui, loin de moi, hein, c'est quand même un agent, un agent du sionisme, un, un franc-maçon, euh, loin de moi. Mais j'essaie je, je, juste de dire. Il y a quand même plus grave que Benalla. Euh, toute la version officielle, comme quoi euh, ils ont pas, ils ont interpellé les plus violents. Et puis après, on découvre que finalement les plus violents c'est ce couple-là, etc. Ça ne tient pas. Et euh, je veux dire, pourquoi euh, est sortie l'affaire Benalla Alors que franchement, s'il si fallait sortir une affaire, il fallait sortir l'affaire Benalla, les, au moins les trois CRS qu'on a vus. Et puis il y a d'autres protagonistes certainement. C'est assez simple à voir ce type de scène. Il n'y a pas besoin que Mediapart récupère une vidéo euh, silencieuse depuis peut-être les personnes parlées pour pas que les personnes soient identifiées. Mais une vidéo comme ça filmée depuis un bar, etc. C'est assez simple de, avec les caméras de vidéosurveillance que tout Paris hein, est quadrillé avec ces caméras-là, de voir ce manège-là, et qu'il n'y a pas eu que Benalla qui a tabassé, qu'ils étaient plusieurs. Pourquoi on sort que Benalla hein, C'est ma question, je veux dire, je, 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 je pense hein, qu'elle est pertinente, hein. je pense qu'elle est même très très pertinente hein. pour des journalistes, des médias, des services de police, les, la commission parlementaire, la commission euh, du Sénat, il y a eu euh, toutes, les, les, toutes les institutions, tout le... le, le, le l'armada, l'arsenal d'enquête de, que ce soit journalistique, parlementaire, policier, que sais-je, militaire de ce pays qui s'est occupé de la ferme Benalla et à aucun moment il n'a été jugé euh, il a été jugé nécessaire de, de, de citer les autres protagonistes euh, on, est, on est resté sur Benalla je veux dire les autres nickel l'interpellation tout est bon tout est bien ils ont le droit de tabasser, mais au finalement le mec, il le laisse libre avec sa copine parce que qu'ils euh, avaient plus grave que lui. Euh, et en octobre, c'est là qu'il est, il est interpellé, le mec. Ben, je veux dire, ça, ça pue, ça pue, ça pue l'orchestration, ça pue la manipulation. Et voilà, à, à vous de mettre votre logique et votre vécu, votre expérience, votre réflexion, de réfléchir par vous-même. Vous trouverez certainement une théorie avec laquelle vous êtes à l'aise. N'hésitez pas à m'en faire part. Moi, personnellement, j'ai ma propre théorie que j'ai développée dans plusieurs vidéos. Hein, à savoir, principalement, là, pour ce qui nous intéresse, mais il y a plusieurs choses, hein, concernant les Gilets jaunes en tout cas. Mais à savoir que l'affaire Benalla euh, est d'abord et principalement le fruit de vengeance 1 d'une partie de la police, hein, pas toute la police, d'une partie de la police, d'une de, euh, partie des, des, des on va dire, des, de quelques opposants politiques. D'accord Voilà, allez, on regarde. Et certainement aussi qu'il y a une ça a toujours existé une petite légère guéguerre euh, entre loges maçonniques. Enfin, c'est toujours les mêmes, hein, c'est des luttes de pouvoir. Hein. On est toujours dans les les, les luttes de pouvoir. On a estimé que bon Benalla, euh, on pouvait sacrifier, on s'en foutait, c'était pas gravissime. Hein. et les vrais dossiers, si jamais c'était la vraie guerre, il y aura pas la vraie guerre entre loges. Si c'était vraiment la vraie guerre, vous avez des dossiers jusque là sur Macron, Brigitte, le, le, le premier mari de Brigitte. Enfin, vous avez des dossiers jusqu'au plafond. Hein. C'est même pas la peine. Là, on a estimé qu'un fusible Benalla, on pouvait très bien voilà, pour le, les besoins, pour les besoins, j'ai envie de dire, pour les besoins du tournage. Voilà. Sauf que bon, ça a pris des proportions, parce qu'effectivement, il y a la dissidence internet qui s'en empare, etc., et que derrière, on a eu l'arrivée des Gilets jaunes, et puis les Gilets jaunes, ils n'avaient pas prévu, ceux qui ont monté les Gilets jaunes, ils n'avaient pas prévu que, pareil, la cause serait récupérée par la dissidence et par les, le vrai peuple, et en, du coup, que plein de soi-disant représentant des Gilets jaunes se retrouveraient cramés en tout cas euh, démasqué décrédibilisé à l'image de Jacqueline Moreau euh, Levasseur et plein d'autres hein, on les a tous démasqués hein, en dernier euh, les derniers desquels euh, euh, Priscilla Ludowski que je vous ai cité et, euh, le, 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 le jeu ambigu de Fly Rider, eric Drouet, c'est pareil, ça tient pas debout. Comment peut-on croire qu'un camionneur continue à travailler, à gérer tout le feu médiatique, à faire son petit live depuis son camion Et puis quand on voit son niveau d'instruction, les écrits qu'il fait hein, quand il a appelé un sondage, enfin c'était, euh, j'ai jamais vu autant de fautes dans un dans un même paragraphe, c'est incroyable. Dans un même commentaire, c'est absolument incroyable. Puis aussi, hein, il y a aussi, il y a d'autres indices. Hein, les, les hein, bon, voyez, on a, on, on a tendance à penser tout de suite à, tiens, un petit coup de MK ultra, un petit coup de, je te tiens, je te tiens avec, euh, alors, pour pas se faire attaquer, comment on peut, on peut appeler ça? Je te tiens avec le bonbon, hein, avec le bon bonbon que, qui fait du bien. Il voilà, n'y a qu'à lire, à regarder les interventions de Gérard Fourré, de lire son livre, etc., pour comprendre. Bon, allez, mes amis, on va passer à autre chose et je pense que. Alors, j'ai beaucoup d'infos, mais euh, je suis fatigué, vous êtes fatigué. Euh, je pense il vaut mieux ne pas. Alors, je vais regarder très rapidement. Euh, ce que je peux pas faire, un tri. Euh... on va. tiens, il y a une vidéo. Euh, elle est déjà passée dans les merdias il hein, n'y a pas de souci. mais elle fait toujours plaisir. Hein. Donc euh 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 non je vais pas la passer parce que pour l'instant, à mon avis, elle va bloquer mon live. Il faut que je fasse quelques euh, modifications pour contourner l'intelligence artificielle. Euh, tiens Noah, j'ai vu que tu étais présent, Noah Noah, avant que je coupe le live, si tu es toujours présent, est-ce que... Euh, tu veux, voilà, 5 minutes, dire un mot. Tu as essayé de t'exprimer hier. Est-ce que tu veux euh, dire un mot, 5 minutes Bien, Je t'écris un commentaire. Hein, voilà. Est-ce que tu veux venir 5 minutes en live, euh, Noah GG, hein, tu avais demandé ça hier. Ben tiens, tu es en train de me répondre. Tu me dis oui. Ben on va organiser ça. Allez, c'est parti. Je vais euh, t'appeler. Et puis, euh, alors Noah, bon, je vais te le répéter en live. Hein, mais tu m'entends, c'est très bien. Euh, Noah, euh, GG. Tu m'as donc tu as été recommandé par mes contacts hier. Euh, Noah, il est 1h28. On, on essaie de s'arrêter à 1h35 parce que les au revoir sont difficiles. Euh, C'est très difficile, tout le monde est intéressant et les au revoir sont difficiles. Donc là, je vais euh, faire en sorte de pouvoir t'appeler. Euh, alors, tout d'abord, il y a pour une question technique il faut que je coupe ma caméra voilà je suis là les amis je vais passer un coup de fil à noah c'était à sa demande comme moi aussi je n'arrête pas de demander euh, donc à plusieurs personnes euh, de faire des lives avec moi malheureusement sans, avec difficilement du succès hein. Eh bien voilà, faisons-le dans l'autre sens. Vu que le jeune Noah veut intervenir chez moi, regardez, je suis en train de l'appeler. Euh, il y a du retard, donc avec vous, euh, il est normal que Noah ne voit pas mon appel. Alors Noah, je recommence. Tu n'as pas répondu, réponds Noah. Réponds, je t'appelle. Alors, je recommence. On a du mal, hein Allez, c'est parti. Ah, tu ne réponds pas. Pourtant, tu m'as dit, oui, que je pouvais t'appeler. Alors, écris-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Noah J'attends. Ah, alors, Noah, voilà, je... Je vous dis ce que Noah m'a écrit. Il n'est pas la peine de vous mettre ça à l'écran. Noah m'écrit... Je vous propose de faire un live avec moi demain. Euh, ce n'est pas... Alors pourquoi pas Pourquoi pas, mais là, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet de... Je t'ai dit tu veux venir 5 minutes en live, tu m'as répondu oui. Hein, il ne fallait pas dire oui. Euh, je répète, viens 5 minutes. Viens cinq minutes, il ne fallait pas dire oui. Pour demain, il y a un autre jour. Hein, moi, je, je... Je ne vais pas... Euh, tous les soirs parce que là j'ai essayé de t'appeler hier j'essaie je, de t'appeler aujourd'hui il faut que tu comprennes Noah que tu n'es pas seul hein, même si euh, on se bat pas pour s'exprimer se, sur ma chaîne quand même hein, j'ai beaucoup de personnes qui veulent s'exprimer Noah euh, en, en premier desquels Gilbert et d'autres donc euh, on va pas se jouer euh, à ça longtemps tu viens là cinq minutes hein, sinon bon bah tu, tu auras passé ton tour hein. Si c'est demain, bah, je ne sais pas moi si je pourrais demain. Hein. Allez, tu passes ton tour ou tu viens 5 minutes Noah. On va pas y passer à chaque live le même. Euh, on ne va pas refaire ça à chaque live. Voilà, je t'appelle une dernière fois. Tu me dis en plus, tu m'écris dans l'après-midi. Hein. Moi je n'ai pas des dispositions comme ça. Euh, du matin au soir. Bon, voilà. Allez, tu peux pas, c'est pas grave, ça arrive. Mais au moins, euh, j'aurais tenté deux jours consécutifs avec toi. Et ce n'est pas la fin du monde, hein, bien entendu, hein, les amis. Hein, Noah, ce n'est pas la fin du monde. Mais voilà, il faut aussi que tu comprennes que euh, je ne peux pas euh, faire ça éternellement. Hein, et euh, me, me... Comment dire Me me conformer euh, aux, 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 aux contraintes et aux propositions de chacun. C'est au contraire, lorsque je vous propose d'ailleurs tous mes amis, mes contacts, lorsque vous voulez me proposer quelqu'un qui veut s'exprimer en live, eh bien vous prenez rendez-vous avec, c'est le plus simple. Vous me dites, tiens, il y a un tel qui voudrait te parler, il te propose euh, demain comme vient de faire donc, Noah. Il te propose demain euh, à 17h, demain à 21h30, peu importe. Et moi, je vais répondre oui, non, je peux, je peux pas, euh, dis-lui telle heure. Et on va fixer par rendez-vous, sinon on va pas s'en sortir. Vous voyez, à chaque fois, la, la perte de temps, euh, je veux dire, c'est pas agréable pour quelqu'un qui revoit en rediff mes lives ou même vous présent. Euh, ça devient, voilà mieux avoir des lives le plus court possible euh, c'est quand même important hein, que de passer la moitié du live à, à faire la on va dire que ce soit des personnes que je prends euh, sans connaître et on se retrouve à faire en quelque sorte hein, le maître d'école etc c'est pas intéressant vraiment euh, ou alors de, de, de passer des coups de fil je peux je peux pas etc donc à l'avenir c'est pas la peine de me comme hier, vous m'avez interpellé, vous m'avez coupé en plein élan pour me dire, tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler, et on n'a pas réussi hier, on ne réussit pas non plus aujourd'hui, vous prenez rendez-vous. Hein. La personne qui veut me parler, vous lui dites, ok, euh, à quelle heure demain, par exemple, vu que là, vous savez très bien, je fais un live tous les soirs, ben, vous, vous dites à la personne, ok, ça marche, à quelle heure demain, par exemple, hein, c'est un exemple. Et euh, j'essaierai, euh, effectivement, si... si rendez-vous me convient, je, je, je le ferai. Voilà, mes amis. Allez, qu'est-ce qui reste Je pense que il euh, y a tellement à dire. Bon, ben, tant pis. Hein. On verra demain ou après-demain ou peu importe. Euh, alors, euh, je vous propose. Euh, là, ça fait quand même pas mal lent. Je vous propose qu'on se quitte. Euh, euh, allez. Yann Limousin, donc tu disais tout à l'heure je suis partout, tu étais de, de Veka. Euh, bon, allez mes amis, on va se dire au revoir. Katia Van Fennel, je ne sais pas si je t'ai vu. Bonsoir, et tu dis donc par rapport à, à, à Hitler, Hitler a été... surtout que Hitler a été payé par des francs-maçons. Alors, ça va peut-être vous surprendre tous, mais Katia Van Fennel... Je ne sais pas si tu fais partie de mes contacts, mais ravi euh, que tu viennes sur mon live parce que nous sommes d'accord ensemble. Hein. Nous sommes d'accord. Hein, Ce type, euh, je suis surpris hein, que quelqu'un euh, pense exactement euh, comme moi cette théorie parce qu'elle euh, reste quand même très 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 euh, inconnue. Hein. Les gens vont plutôt dire que. Euh, je sais pas moi, j'ai entendu plusieurs fois Hitler est à la base juif ou Hitler était dans la combine avec les juifs, etc. Alors, ça c'est des foutaises. Hein. On est plutôt sur le fait que Hitler a comploté avec les francs-maçons et particulièrement un grand franc-maçon qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Hein. Euh, le but était, pour ceux qui ne savent pas, le président américain euh, Roosevelt. Et le but étant, alors là, c'est vrai que ça, de, ça demande beaucoup de développement, mais pour faire simple, le, le but étant de quelque part euh, de, 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 de faire, euh, de faire, euh, d'amener, d'amener, d'amener le quatrième Reich, hein, le quatrième Reich qui est, on peut, le, le, on peut dire, qui est aujourd'hui l'état le, le, profond hein, de l'amener l'état profond aux États-Unis de l'amener le quatrième Reich aux États-Unis hein, faire, faire bouger hein, ce ce ce, ce micmac de euh, entre brigands alors il y a dedans effectivement des réfugiés juifs et autres persécutés mais le plus gros hein, ça a été des, des des brigands des financiers des spéculateurs des anciens criminels, enfin il y avait de tout, hein. et là on a vu aussi qu'il y avait des, des, des médecins nazis, des, des, des gens qui ont fait des expériences sur des êtres humains, des médicaments, enfin, il, y avait, il y avait aussi des scientifiques, hein. beaucoup de scientifiques, voilà, c'est le fait de, de, de bouger tout ce, j'ai envie de dire, mais non, je n'ai pas utilisé ce terme, j'avais envie de dire ce beau monde, mais on ne va pas jouer avec les mots, mais bouger tout ce monde, euh, aux états-unis pour que ça fasse ce que, ce que vous voyez aujourd'hui l'état profond aux états-unis mais pas que hein, aussi euh, en france et ailleurs hein. Alors, toujours derrière toujours toujours encore et encore et encore et encore dans toute l'histoire euh, j'ai envie de dire de l'humanité euh, la franc-maçonnerie hein. Ou alors ceux qui étaient autre chose et qui sont devenus euh, francs-maçons. Toujours, encore et encore. Voilà. Je ne peux pas être euh, plus clair. Euh, je ne peux pas, mes chers amis, là, euh, on ne on va pas ouvrir ce débat. Euh, voilà. J'ai je, je rebondi. Katia Van Fennel, hein, Si tu ne fais pas partie de mes contacts, euh, euh, je serai honoré que tu m'en fasses la demande. Euh, voilà. Mais vous êtes tous de qualité, mes chers amis. Hein. Allez. Euh, qui je n'ai pas vu, euh, Katia Van Fennel, bonne nuit. Allez, c'est parti, mes chers amis, je ne pourrai plus vous lire. Euh, Felice Valérie. Euh, alors. Bon, je ne sais pas si tu dis ça pour de vrai ou pas, mais je, je vais le lire. Tu dis la, euh, la grand-mère de ton mari, elle, aura, elle pète le feu et elle aura 106 ans le 26 février. Eh bien, si c'est une vraie information, eh bien, bravo. Bravo, madame. Euh, madame, ta... la grand-mère à ton mari. Hein? Je sais pas si on peut dire ta... ta belle-grand-mère. Hein? Donc euh, voilà, madame, si montre-lui. Hein, Félix et Valérie, montre-lui. Euh, bravo, madame. Continuez. Euh, vous avez... Certainement, compris beaucoup de choses dans la vie pour durer aussi longtemps. Vous avez certainement évité dans votre vie euh, les médicaments, euh, vous n'avez pas exagéré sur l'alcool, vous avez peut-être pas du tout fumé, mais en tout cas, vous, vous êtes entretenu, hein, vous avez certainement euh, eu des activités sportives, vous, vous avez évité. Euh, tout ce qui est, peut générer du stress, de la colère. Donc voilà, bravo madame. Et, et voilà, Felice Valérie, je ne pouvais passer devant ton commentaire sans le lire. Euh, bonne nuit Felice Valérie, et bonjour à madame ta belle grand-mère. Allez, on y va. Euh, qui d'autre Yann Limousin, bonsoir, tout à l'heure je t'avais dit. Et bonne nuit, je ne pourrai pas vous lire, mes chers amis, sinon je ne couperai jamais. Anto Lori, bonne nuit. Marie Lefebvre euh, Tavernier. Tu parlais de Goebbels, nous sommes d'accord. Bonne nuit, JP Ugenel. bonne nuit. Alors nous sommes d'accord, je ne sais pas s'il est vraiment mort, comme tu dis, mais euh, Goebbels est un personnage central euh, de la propagande, hein, de la propagande. On voit bien que Goebbels, et, euh, ses, ses théories, ses, ses méthodes lui ont survécu avec les merdias français et les merdias de façon générale. Allez, j'ai promis, hein, j'ai juré que j'arrête de vous lire. Euh, J.P. Hugnel, bonne nuit. Sabrina Bertir, euh, ma chère amie. Euh, bonne nuit. Gigi Nani, bonne nuit, ma chère amie. Gigi, je suis sûr que tu m'as mis les petits drapeaux comme d'habitude. Tiens, Gigi, tu m'as mis un, un, un cœur et un, et un pouce. Je, je, ça m'avait manqué tout ça. Euh, qui d'autre Subtil Ben, euh, mon cher ami, ma chère amie. Euh, merci pour ta présence. Et bonne nuit. Allez. Euh, tata tata, qui j'ai loupé Après, je passerai sur le portable. Olivier Poco, bonne nuit. Je ne pourrai pas te lire. Je vois que tu m'as écrit. Ma chère Elise QT, toujours présente. Tu m'aides beaucoup. On n'est pas fatigué. Voilà, je t'ai lu malgré tout, Élise. Tu as écrit on n'est pas fatigué. Ça me fait penser donc à, à ce que euh, scondent les Gilets jaunes euh, les, les, lors des nocturnes des samedis. On n'est pas fatigué. Voilà. Euh, bonne nuit ma chère Elise. Claudine Even euh Bon, Claudine Even, euh, bonne nuit. Allez, qui d'autre Claudine Even, tu trouves les gifs mignons de... Enfin, les gifs, c'est les images de Samir. Eh bien, tant mieux, Claudine. Bonne nuit. Tiens, je vais trouver Samir aussi pour lui dire bonne nuit. Gilbert Chabrol, euh, mon pote. Mon pote. Bonne nuit, Gilbert. Allez, qui d'autre Olivier Poco, je t'ai vu. Katia. Yann, Marie. Tiens, Samir, voilà. Samir, apparemment, tes, tes images sont euh, euh, plaisantes. Euh, elles plaisent en tout cas euh, à Claudine Even. Très bien. Eh bien, Samir Genoun, bonne nuit. Euh, qui d'autre Liège Sauval, bonne nuit. Euh, J'ai vu Luc Revoltaire. Tartelin Orsini, donc c'est une même personne. Bonne nuit. Tu sors, euh, je vais dire euh, avec euh, de manière, de manière taquine, de manière taquine euh, ta langue, mon cher Luc. Eh bien bonne nuit, Richard Debré. Bonne nuit mon cher ami. Et voilà très bien. Est-ce que euh, je peux voir des personnes ici que je n'ai pas saluées euh, Je pense que dans l'ensemble, j'ai salué un maximum de monde. Mes chers amis, euh, on va s'arrêter. Je vous souhaite donc euh, à toutes et à tous, même les personnes que je n'ai pas citées, euh, qu'elles me pardonnent. Et les personnes qui regarderont ce live euh, ultérieurement, donc sur mon profil ou sur euh, tous les médias sur lesquels je diffuse actuellement en simultané, hein, je diffuse sur euh, VK, Twitch, YouTube, mon compte de secours, Facebook, aussi mon compte de secours, et Periscope pour ce qui concerne euh, Twitter. Voilà. Je vous souhaite de passer euh, une agréable semaine, un, une très bonne euh, matinée de ce lundi. On rentre dans le lundi 11, si je ne me trompe pas, voilà, le 11 février, c'est-à-dire qu'on est à la Saint-Valentin 3. Non, je déconne. Encore une fête commerciale. Euh, le 11 février. Et donc, euh, passer euh, une agréable journée de lundi. Et on se retrouve euh, ce soir. Peut-être, mais euh, j'en doute, je doute que, que je puisse y arriver. Peut-être dans l'après-midi pour euh, donc diffuser le groupe Messenger dont vous voyez le lien dans la publication. Le groupe Messenger qui s'appelle Comme en live, le diffuser donc en live. Comme ça, on voit, vous écrivez. Et ça, ça, j'ai déjà fait cette expérience, elle a fonctionné. Alors, mon, mon micro, il marche. Elle a fonctionné pas mal cette expérience. Ça vous permet d'interagir en temps réel hein, et quand vous, tout le monde voit vos commentaires. Voilà. Si j'ai le temps, j'ouvrirai un live dans l'après-midi euh, concernant les interactions, la libre antenne par commentaire. Et, mais sinon, on se retrouve comme d'habitude euh, le soir, comme tous les soirs. Je suis désolé. Extrêmement désolé pour cette, ce live extrêmement tardif. Hein. Je l'ai démarré. C'est le live de dimanche. Je l'ai démarré à minuit 3, je crois, c'est-à-dire carrément sur le lundi. Je suis extrêmement désolé. Hein. En, en, arrière, en coulisses, on va dire, en, en arrière-plan, j'ai pas mal discuté avec beaucoup d'entre vous hein, sur les groupes. Euh, parce que j'ai un groupe Messenger, donc j'interagis beaucoup avec vous. Et donc j'étais présent avec vous, mais pas sur le live. Et euh, je suis extrêmement désolé pour les lives aussi tardifs. Et je vous suis euh, aussi très gré pour tout ce que euh, vous m'envoyez comme soutien, comme, comme, euh, comme mots d'encouragement. Et ça se voit votre soutien, parce que vous êtes quand même euh, une bonne vingtaine, une bonne quinzaine, euh, entre 15 et 20. À être présent là jusqu'à 2h du matin. Donc ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose entre nous, ça prouve qu'il y a euh, vraiment hein, quelque chose de, 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 de. Il y a de la fidélité, il y a de la transmission, il y a du respect entre nous, il y a. Oui, je vais le dire, il y a quand même une forme d'amour entre nous. Hein. Voilà. Je vais laisser un mot que beaucoup utilisent à ces gens-là. n'ai pas envie d'avoir de, de, de la confusion. Ceux qui disent la famille, etc. Ben on, moi, je sais très bien de quoi, quand ils disent la famille, euh, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Hein. C ça, ça, ça englobe pas tout le monde. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire plutôt avec d'autres mots que je vous suis reconnaissant pour votre présence, pour votre soutien, les mots que vous m'envoyez, votre présence, votre aide. Ce que bon. Allez. Mes chers amis, je pense que on s'est compris. Euh, je vous souhaite une très bonne nuit, enfin de ce qui, de ce qu'il en reste et on se retrouve donc euh, dans tous les cas euh, ce soir du lundi 11 février 2019. C'est parti.